Allo est devenu un Sentai. Qu'est-ce qu'on fait? On a rejoint la surface. Je suis qui là du coup? Je suis Locke. Oui, je suis Locke toujours. Sloan a ordonné d'évacuer. L'ascenseur orbital. Mais comment? Alors fonçons. Regardez, le gardien. Oh non. Merde, où ça? Où ça? Où ça? Le major est dans ce truc. Il nous faut un zinc. Putain, mais c'est ça un gardien, bordel de merde. C'est ça qui leur est arrivé. Et appuyez pour donner à un Spartan de monter à bord. Ah oui, ah, c'est comme ça, d'accord. Pour avoir un petit passager. Alors on fonce. Pourquoi celui-ci? Pourquoi le major est sur ce gardien? Je crois que c'est le premier que Cortana ait volontairement activé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que Cortana est toujours vivante, tout ça. Comment est-ce qu'elle a fait? Wouhouhouhouhou, cascade! Et hop là, tout ça, c'est totalement prévu! C'est exactement ce qu'on avait décidé de faire. Et je retombe sur mes quatre roues. Si vous êtes toujours sur la planète, rendez-vous immédiatement à l'ascenseur orbital. Faut que j'aille où? Faut que j'aille là. Avec ou sans vous. Donc il faut foncer là. Ça, ils sont cool ces niveaux là, moi j'aime bien. Par où? Par là-bas. Pousse-toi! Je dois survivre, pas vous! Ah merde, c'était par là. Mayday, Mayday! On nous tire dessus! On est touché! Va avec ces vaisseaux qui descendent tout ce qui bouge. Par ici, par ici. C'est tout cassé. Comment je fais pour passer là? Faut finir à pied. Sécuriser l'avant-poste. Gouverneur Sloan, il nous faut un accès à l'ascenseur orbital. Et d'accord, il faut avancer. Bien reçu, gouverneur. Ok, super. Nettoyez la zone pour qu'on puisse ouvrir ces portes. Merde. C'est... Wow, wow, wow. On se calme, on se calme. Je vais prendre ça, moi j'aime bien ça. Voilà. Tiens. Tiens. Et tiens. Putain, c'est super efficace ce flingue. Je t'ai vu. Ok, plus de munitions. Derrière. Il est où? Putain. Arrête pas de bouger. Voilà. Pourquoi on n'arrive pas à aller super vite comme dans l'introduction? Je voudrais voler comme les oiseaux. Et on se calme. On se calme les petits jeunes. Voilà. De toute façon, vous allez mourir. Eh ben voilà, on y est. Ouvrez-moi cette merde. Ouvrez la porte. Oh putain, il y a des gens qui vont venir. C'est quoi ça? L'ascenseur s'ouvre. C'est l'hydra. Vas-y, on va prendre l'hydra. Spartan, je dois avouer que je suis impressionné par votre ténacité. Quand est-ce que Cortana... Là, il y a des munitions. Ça, je trouvais que ça marchait bien. Très perspicace. Oui, c'est vrai, elle m'a averti de ce qui allait se passer. Elle m'a autorisé à aider mon peuple à survivre. Et venez les enfants. Un bouleversement arrive pour nous tous, humains, mais aussi entités. Elle prépare une nouvelle ère, et j'entends bien enfin partir. Putain, Cortana est en train de foutre la merde. Salope. Bonne chance à tous, et au revoir. Et les méchants, les méchants. Feu à volonté.
Ok, super. Je tire dans le vide. Tanaka, désactive la sécurité. Ça, ça me casse les couilles, ces petites merdes volantes là. Voilà. Tiens, il y en a encore un là. Ah là là, arrêtez de nous faire. Putain, mais il y en a plein! Saloperie de trucs drone volant mes couilles! Il y en a un qui les génère ou quoi? C'est toi là? Tiens, dans le dos là. Fait mal dans le dos. Ok. Zone sécurisée. Tanaka, comment on actionne l'ascenseur? Trouvez les commandes. Où sont les commandes? Elles sont là. Ah, on saute partout, nous sommes des vrais ninjas. C'est où? Là. C'est bon. C'est bon. Nous allons pouvoir continuer, avancer. D'après Sloan, un bouleversement s'amorce et Cortana l'a contacté. Elle aussi est sur le gardien. C'est ce que le Major avait l'air de croire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est toujours sous terre? Non, non, non. On le saura une fois dans le Pélican. Je comprends que le Major ait transgressé les ordres pour trouver Cortana. Ah oui, ascenseur gravitationnel, nous allons dans l'espace. Les membres de l'équipe bleue ont grandi ensemble au sein du programme Spartan 2. Ils ont participé à plus d'opérations que n'importe quel autre escadron de l'UNSC. Quand un Spartan accomplit sa mission, il se grille une petite sèche. Allez les amis, faites-moi plaisir! Mais faites-moi plaisir, putain de merde! Putain! Putain, il bouge! Tu bouges vite, toi. Oh non. Ok. Ok, très bien. J'aimerais retrouver des munitions pour cette arme. Où y en a? Exactement comme la nouvelle Alexandrie. On éventre la terre, on réveille quelque chose qui y dormait. Et tout ça pourquoi? Pouvoir fuir? Tout laisser derrière. Y a rien. Il y a une différence entre fuir ou vivre et se battre un jour de plus. Bon bah je vais prendre ça. C'est quand elle est acculée que l'humanité a plus de ressources. On est tenace. Ah, il y en a un là. Très bien. Petite grenade là, je peux la prendre. Je suis déjà full. Je suis full là. Bonjour les enfants. Tu vois, c'est bien ça. Où êtes-vous? Oh, y a plus d'ennemis. Je vais prendre un pied quand je passerai en légendaire. Ça va être bon ça. Mais t'es là toi. Oh, ça m'en fait un deuxième là. En sécu. C'est des enfoirés quand même, ils se téléportent comme ils veulent. Je suis à la station Méridiane. C'est pas du jeu. Il y a des morts partout. Ah merde. Le gouverneur Sloan n'est plus là. S'il vous plaît, est-ce que j'ai vraiment toute seule ici? Nous arrivons, Evelyn. Sloan est parti en abandonnant son peuple. Si c'est vraiment Cortana qui a activé ce gardien, c'est plutôt elle la responsable. On va découvrir ce qui s'est passé ici. Et tiens le coup, Evelyn. Nous arrivons. Attention. Ils sont costauds eux, à chaque fois. Voilà. Il y en a un autre. Heureusement que j'ai ça là. Zut, je dis plus rien. Voilà. Hop, poupée. Là, dans l'œil, là. Dans l'épaule. Oui, non, c'est pas la peine. Arrêtez, messieurs. C'est bon. Je gère.
gardien se remet à chanter. Il chante. Il chante la mélodie d'amour. Transport 3 au groupe. Attention, ce truc commence à bouger. T'excite pas, Franco Di Mezzo. Je sais pas ce qui se passe. Attendez, ça vient de s'arrêter. Bon sang, sortez de là. Eh, ouais, fuis. Oh putain, je... J'ai eu une espèce de spasme. Tout le monde va bien. Vas-y, je vais prendre ça. Et je reprends ça. Le frein électronique de l'ascenseur a évité le pire, mais pas pour longtemps. Tu crois qu'on pourrait escalader? Ah merde, je veux garder mon arme. En tout cas, si elle s'effondre, ce sera pas. Je veux garder mon arme. Je vais la jouer comme ça. Et comme ça. Et je n'y vais pas y arriver. Ah zut, je veux garder cette arme. Comment je peux faire? Je vais prendre les escaliers. Je m'en fous, je prends mon temps. Tout. Je vais prendre par là. Ça a l'air sympatoche. Ah merde, je vais aller vous faire foutre. Je peux pas garder mon flingue. À ton avis, il va où ce gardien? Qu'est-ce qu'il dit qu'il va quelque part? Voilà le gardien. Oh la vache. On continue vers le pélican. Oh la vache. Le pélican est à quelques super plateformes d'ici. C'est loin ça. Et il est maus. C'est pas la porte à côté, mais ça reste jouable. Ok, on grimpe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais toi? Et on nous allume. Ne restez pas là. Ah merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des trucs qui me tirent. Je prends des coups. On peut les buter ceux-là? Putain. Mais vous me cassez les steaks. Paf. Loupé. Ok, ça sert à rien. Bon, il faut aller où là? Faut encore monter. Sainte Agnès. Ah, mais il y a des méchants là, des méchants pas beaux. Mais qu'est-ce qui se passe là? Tiens, bah voilà, il suffit juste de le taper. Pas de quoi s'exciter. Ah. Oh putain, le laser! Le laser! C'est Noël! Et bim! Allez, il faut que ça chauffe! Un peu loupé, je l'ai un peu loupé. Si tu me prends des coups là. Je veux zoomer. Voilà. Et j'ai plus que 25% de pile. Voilà. Ça, c'est réglé. Et je prends... Oh putain, ça a l'air costaud. Oh putain, mais c'est quoi c'est ce big motherfucking gun? Ça a l'air sympa tout plein. Hein. Où vais-je?